Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces petits topos historiques. Je suis Olivier Burette, vous êtes sur Parlons d'histoire et la première de la série va concerner donc aujourd'hui le traité de Trianon. Traité de Trianon, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de un de ces fameux traités de paix signés après la Première Guerre mondiale, dont l'objectif était de redécouper la carte des empires disparus, et en l'occurrence ici celui de l'Autriche-Hongrie. Et il a donc été signé le 4 juin 1920, dans une annexe du château de Versailles, qui est donc le pavillon du Trianon. Et il concerne donc un des États successeurs de la dissolution de l'Empire d'Autriche-Hongrie, un État vaincu de la Première Guerre mondiale, hein, et cet État successeur est la Hongrie, signé donc le 4 juin 1920. Je crois que les cartes que nous avons vues tout à l'heure au début de cette émission ont pu vous montrer d'une part la taille que représentait le royaume de Hongrie, qui existait depuis bien longtemps dans l'histoire, hein. Comment ensuite ce royaume a été redécoupé en quelque sorte, hein, si vous voulez, et pour avoir la forme actuelle, hein, qui est celui de la République de Hongrie. Tout ça s'est décidé le 4 juin 1920, et l'objectif ici est de revenir rapidement, en quelques minutes, sur ce traité. Bien sûr, cette émission ne se présente pas comme étant exhaustive, et quelques orientations de lecture, et bien sûr, pourront compléter le premier de ces topos historiques, donc de Parlons d'histoire, le numéro 1 aujourd'hui avec vous, mes amis. Alors, ce traité de Trianon, donc, est le dernier, d'une part, qui est signé à cette date tardive de juin 1920. Pourquoi? Eh bien, parce que à la fin de la Première Guerre mondiale, hein, dont la date de l'armistice est le 11 novembre 1918, eh bien, la Hongrie va sombrer dans une période extrêmement trouble. Une république est proclamée, et cette république va à un moment donné faire tout simplement l'objet, hein, dans sa capitale Budapest, d'une tentative, hein, en mars 1919, de révolution de type bolchevique. Type de révolution bolchevique qui est évidemment une révolution qui prend directement son inspiration dans celle qui se déroule depuis 1917 à Moscou, hein, la fameuse grande révolution de Lénine, hein, et qui tente là, ici, d'établir ce qui sera une république sœur. La république sœur soviétique ne vivra que très peu de temps, tout simplement parce que les alliés, les vainqueurs, les franco-britanniques principalement, de la Première Guerre mondiale, ne veulent absolument pas tolérer qu'un régime de type bolchevique puisse émerger dans cette nouvelle Europe, qui plus est Europe centrale, qu'ils sont en train de redessiner, hein, et dont je vous ai montré des cartes tout à l'heure. Et c'est donc une guerre terrible qui va être menée pour écraser cette révolution d'inspiration bolchevique, hein, d'une part avec les éléments contre-révolutionnaires hongrois dirigés par l'amiral Horthy, hein, qui sera le futur chef d'État de la Hongrie autoritaire de l'entre-deux-guerres, et puis bien sûr essentiellement les troupes qui restaient sur place, hein, notamment de l'armée d'Orient, essentiellement commandée par les Français et les éléments britanniques. Cette révolution est écrasée, et bien sûr, la Hongrie va être un des derniers États successeurs vaincus à signer un traité de paix vraiment très dur, puisque au profit, hein, de la création de tous les États nouveaux voisins, comme la Yougoslavie au sud, comme la Tchécoslovaquie au nord, par exemple, ou l'agrandissement de la Roumanie à l'est, hein, eh bien, va perdre énormément de territoires. Hein, dont voici quand même les clauses assez rapides dans ce petit topo. Une armée réduite à 35 000 hommes, un territoire qui était de 283 000 km² avant la guerre de 14, hein, du temps de la double monarchie austro-hongroise, hein, l'Autriche-Hongrie était une alliée de l'Allemagne, je le rappelle, pour aboutir à 93 000 km². On a presque 200 000 km² de territoire retiré, hein, au profit des États que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, une population qui va passer de 18,2 millions d'habitants avant 1914, hein, les grands
recensements datés de 1910-1911, avant la guerre, d'ailleurs c'était les premiers, pour une population qui sera de 7,6 millions d'habitants seulement. Donc, ce qui pose bien sûr la question de fortes minorités hongroises qui vont se retrouver dans tous les États. Donc, une Roumanie agrandie, de la Transylvanie, bien sûr, qui était avant hongroise, de la Tchécoslovaquie, et évidemment dans le sud, dans le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la future Yougoslavie. Voilà donc en quelques minutes et en quelques chiffres les principales choses que l'on pouvait dire sur ce traité de Trianon. Je vous donne quand même rapidement quelques orientations bibliographiques qui pourront vous intéresser. Le premier est une biographie qui est sortie il y a maintenant quelques années, en 2014, écrite par Catherine Aurel, l'amiral Horthy, chez Perrin. L'amiral Horthy, donc, c'est ce personnage de la Hongrie autoritaire, notamment pendant toute l'entre-deux-guerres. Ce sera lui le chef de l'État, de cet État successeur hongrois. Un ouvrage plus général, L'histoire de la Hongrie, de Miklós Molnár, daté de 2004 chez Tempus. C'est un ouvrage donc poche, qui fait un recadrage général sur la période. Et puis l'incontournable, Histoire des relations internationales, 1919-1945, de Jean-Baptiste Durosel, et André Caspi, éternellement réédité, cette fois-ci chez Armand Collin, en 2012. Enfin, pour terminer, il faut bien comprendre que la conséquence principale de ce traité de Trianon sera le révisionnisme, la politique de contestation systématique, notamment dans les États vaincus comme la Hongrie, mais comme d'autres aussi, comme l'Autriche, comme la Bulgarie, évidemment, de ces traités de paix, politique de contestation qui, on le sait, se développera dans les années 20 et fera tomber progressivement, notamment la Hongrie ou la Bulgarie par exemple, ces États-là dans la sphère d'influence d'Hitler après 1933, le cas de l'Autriche restant à part, on le sait, puisqu'il y a son annexion par l'Anschluss donc, en 1938. Je vous remercie, c'était Parlons d'Histoire numéro 1, 4 juin 1920, le traité de Trianon. Merci pour votre écoute, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez également mettre des commentaires, c'est le premier numéro, le prochain sera certainement encore mieux. Merci.